Et yo tout le monde, c'est Freezer, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite pour vous montrer tout simplement comment débloquer la nouvelle apparence du skin Tentina. Donc comme vous le savez sûrement depuis cette nouvelle semaine, si vous avez terminé tous les défis de Tentina, logiquement vous avez fait 20 défis accomplis. Et grâce aux 20 défis, vous allez pouvoir tout simplement récupérer une apparence supplémentaire du skin Tentina. Donc on va aller directement dans les agents, on va sélectionner du coup le skin Tentina. Juste ici, et donc logiquement, si on clique sur le personnage, ils vont nous proposer voilà, de choisir l'apparence ombre ou l'apparence fantôme. Alors du coup, je vous montre rapidement, on peut voir du coup les deux apparences. Honnêtement, je pense que je vais prendre plutôt l'apparence ombre, puisqu'elle a l'air d'être un petit peu plus sympa que l'apparence fantôme. Bon, après, c'est un choix bien sûr personnel. Donc faites bien attention, quand vous faites un choix sur l'apparence ombre ou fantôme, vous ne pourrez plus changer. C'est-à-dire que si vous prenez l'apparence ombre, vous ne pourrez pas prendre plus tard l'apparence fantôme. Donc moi, pour ma part, je vais prendre celui-là, je vais faire voir... Et donc logiquement, je vais faire accepter. Je vais faire ça, logiquement c'est accepté, c'est parfait. Et là du coup on a un défi qui est de détruire des ravitaillements du fantôme en utilisant des explosifs. Donc du coup on va faire ce petit défi, je vais vous le montrer et comme ça on va pouvoir débloquer cette nouvelle apparence. Alors du coup on se retrouve donc en partie et donc là ce qu'on va devoir faire c'est détruire des ravitaillements de type fantôme. Alors des ravitaillements de type fantôme vous en avez un petit peu partout sur la map, nous on va faire celui qui est situé au niveau de Pleasant Park. Donc là vous voyez que du coup j'ai récupéré des grenades, donc là vous voyez que je suis à la sortie de Pleasant Park à côté tout simplement de l'arrêt de bus qui est juste ici. Et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer par exemple une grenade au niveau de cette boîte de ravitaillement et donc comme vous pouvez le voir ça nous permet déjà de valider un premier emplacement. Alors cette fois-ci, on va maintenant passer au deuxième emplacement. Donc là du coup, comme vous pouvez le voir, je suis au niveau de Holy Edge. Alors je sais pas du tout si vous pourrez faire deux fois le même à Pleasant Park. Donc comme ça, vous êtes tranquille, je vous présente deux emplacements différents. Donc du coup, au niveau de Holy Edge, c'est juste ici que vous pourrez en trouver un. Donc devant cette maison, à côté, vous savez, du coffre avec l'arc. Donc là du coup, j'ai repris des grenades, on va faire la même chose. On va lancer une grenade au niveau de la caisse de ravitaillement. Et donc voilà, c'est parfait. Ça nous permet de valider ce défi. Donc logiquement, si je quitte la partie, on devrait donc avoir tout simplement le nouveau style de Tentina. Ok, du coup les gars, on se retrouve donc juste après. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai bien reçu le skin Tentina en version ombre, étant donné que j'avais choisi cette version à la place de la version fantôme. Donc pareil, on a du coup un petit sac à dos en supplément. Donc le sac à boom, c'est ça. On a également aussi la pioche de Tentina. Et pour finir, on a encore une fois... un autre planeur ou du moins une nouvelle apparence, donc c'est l'apparence ombre. Alors là malheureusement on peut pas bien la voir, mais du coup c'est la nouvelle apparence. Alors voilà en gros pour tous ces skins, on va faire suivant. Je vais tout récupérer de toute façon, comme ça je vais vous remontrer rapidement dans le casier. On va aller au niveau du casier, vous voyez que déjà l'apparence a changé. Donc là on peut toujours bien sûr revenir sur la version de base. Normalement on a également aussi le sac à dos qui est quelque part par là. Alors le sac à dos, voilà, il est juste ici et du coup on a l'apparence en noir du sac à boom. Et pour finir, on a également aussi la pioche qui est quelque part, alors je crois que c'est celle qui est juste ici. Voilà, la TN troncheuse en version noire du coup, enfin du moins la version ombre, vu qu'on a récupéré ce skin. Et on a également aussi pour terminer, c'est le planeur, logiquement, qui a dû avoir une nouvelle apparence, voilà. Comme vous pouvez le voir, le sac à boom, enfin du moins le pilonneur, qui a du coup cette fois-ci l'apparence en noir, étant donné qu'on a choisi la version ombre. Donc faites bien attention à ça, si vous choisissez du coup la version ombre ou la version fantôme, tout ce qui est du planeur et également de la pioche, ça va bien sûr être pris en compte. Donc si vous voulez du coup la version ombre, bah faites bien attention par rapport à tout ça. Voilà, du coup je vous montre rapidement, normalement au niveau des défis, tout est bon. Vers l'agent, si on vérifie bien, vous voyez que ça a bien été terminé. Il faudra du coup attendre à nouveau 6 jours pour avoir cette fois-ci les défis pour le skin de Miaousculé. Voilà, du coup les gars, j'espère que cette nouvelle petite vidéo eh bien, vous aura aidé sur comment débloquer la version ombre ou la version fantôme du skin Tentina. Donc comme d'habitude les gars, n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a aidé. N'oubliez pas également aussi d'utiliser le code créateur Freezer dans vos boutiques Fortnite, ça me permet de me soutenir. Et encore une fois, merci à toutes les personnes qui continuent de le faire. Et puis bah, nous sur ce, on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo.